Merci, merci beaucoup. Nous allons commencer cet atelier, le dernier atelier de la journée, qui s'intitule « Découvrabilité des contenus francophones, enjeux, défis et prospectives ». Et nous avons le plaisir d'accueillir pour cela Madame Sandra Coulet-Labille-Leroy, qui est chargée de mission transversalité à l'OIF, pour laquelle elle a une fonction de veille et d'analyse prospective. Et elle occupe cette fonction depuis 2015, mais elle n'est pas là pour cela. Elle est là à titre personnel avant. Elle, de 2012 à 2015, elle travaille dans le secteur diversité et développement culturel, à l'OIF. Après 12 ans de responsable permanente adjointe aux Nations, auprès des Nations Unies. Donc, Madame Sandra Coulet-Labille-Leroy a, je dirais, mais je me trompe peut-être, deux axes d'intérêt de prédilection et professionnel, celui des droits de l'homme et celui également des politiques culturelles, puisqu'elle enseigne les politiques culturelles à l'université, à Alexandrie et à Paris également. Donc un quart d'heure, si vous voulez bien. C'est un défi que je vais essayer de relever. Alors on va aller vite, peut-être situer parce que là, l'ensemble des interventions de très très grande qualité ont abordé les différents aspects de l'intelligence artificielle versus éducation, versus enjeux sociétaux. Mais j'aimerais très rapidement vous parler du contexte francophonie, puisqu'il va s'agir de parler de découvrabilité des contenus francophones. Et je sais que mon éminent collègue, le professeur Kilanga, je lui ai posé dans nos échanges préventifs de cette intervention, en disant « mais finalement, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on met derrière le mot francophone en termes d'identité, en termes de, on a parlé de valeur, voilà, est-ce qu'on on s'arrête à la langue ?» Alors, je voudrais vous parler du contexte francophonie avec un grand F, de découvrabilité, bien sûr, et des jalons posés par l'organisation multilatérale qui est la francophonie, et puis terminé par des enjeux prospectifs. Alors, pour parler et camper le décor sur un contexte francophonie, quand on parle de francophonie, c'est un espace institutionnel, et vous le savez très bien, c'est 88 pays qui partagent des valeurs et une langue française. Cette langue française, elle est en minorité, le seul pays monolingue en francophonie, c'est la France, donc nous sommes déjà et avant tout dans une situation de plurilinguisme de facto. Autre spécificité de cet espace, qui a un impact sur la réflexion sur intelligence artificielle, découvrabilité, c'est la question évidemment de l'hétérogénéité du numérique, de l'accès au numérique, on va y revenir, qui est une condition sine qua non, effectivement, de la découvrabilité. Alors, ça y est, maintenant que c'est bon. Donc voilà, donc un espace institutionnel, 88 pays, une architecture institutionnelle, ça va nous intéresser sur la découvrabilité. Le professeur Martinez a fait mention du CREFAP, qui est le centre de, régional d'enseignement du français en Asie. La francophonie, c'est une architecture institutionnelle avec des opérateurs qui travaillent sur la coopération, c'est le cas de l'OIF, dans les domaines de la diversité culturelle et de la langue française, mais aussi des enjeux de droits humains. On a parlé d'éthique, de responsabilité sociétale, des organisations, y compris l'université, du secteur privé, etc. Évidemment, du numérique, du développement durable. On a parlé du coût aussi de l'intelligence artificielle. On a parlé des fermes. C'est un peu le sujet, là aussi, de la transition numérique, y compris dans ses enjeux écologiques et développement durable. Et enfin, évidemment, le gros morceau qui est l'éducation et la formation. Alors, on a l'OIF, c'est cette coopération entre ces 88 pays membres, mais on a bien sûr l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Senghor qui s'occupe du développement des cadres africains, TV5 Monde qui a une importance considérable sur les enjeux de découvrabilité en tant que plateforme. Vous avez peut-être tous entendu parler de TV5 Monde Plus, on va y revenir. L'IMF, les collectivités locales et territoriales fédérées au niveau de cet espace francophone, les parlementaires, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, il y a des enjeux de régulation derrière la découvrabilité, et enfin la CONFEMEN qui est
le réseau des ministres de l'Éducation et la Confeges Éducation et Sport. C'est un peu pour vous camper le décor des différentes parties prenantes aux enjeux de la découvrabilité. Les réseaux institutionnels, on verra, peuvent être des alliés tout à fait opérationnels sur ces questions-là. Alors, autre sujet, mais très très vite, vous avez une bible qui est quadriennale, c'est le rapport de la langue française dans le monde. Donc, je vais faire très vite. Vous avez tous en tête les statistiques. Le numérique, évidemment, est notre toile de fond. Le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde, quatrième langue d'Internet, à peu près un tiers, 26%, une langue d'apprentissage. Bon, voilà, tout va très bien. Madame la marquise, si j'ose dire, eh bien. Voilà. Alors, pourquoi cette petite boutade? Parce qu'on est évidemment dans un changement de paradigme, pour certains qualifié de civilisationnel, mais en tout cas, certainement, on est en train de changer effectivement d'environnement numérique avec... alors, c'est pas... Je sais que devant moi, il y a des ingénieurs, il y a des spécialistes de l'IA, mais on change quand même de paradigme. On est dans un web 3.0, voire on va vers le 4, même si je sais que je vais peut-être être sous des fourches codines, mais on est, pour nous, qui réfléchissons à des programmes de coopération en termes de diversité culturelle, d'accès au numérique, une approche, on l'a dit, où il y a des produits, biens et services culturels, mais produits numériques qui ont un enjeu local et global. Donc, on est vraiment là dans du local. D'ailleurs, l'appétence de consommation des produits ou des biens et services, alors j'allais dire culturels, mais numériques, on voit très bien qu'il y a un pivotement, alors je ne sais pas si je fais un néologisme, pivotage, sur l'importance de la consommation locale, de l'appétence locale. Pour preuve, l'Afrique consomme de plus en plus, quand elle en a l'opportunité, des produits et des services africains. C'est un exemple, on y reviendra. Action, on est dans des systèmes d'interagissant entre les différents acteurs opérateurs. On n'est plus sur des sites qui délivrent ou qui font du push et du pull. On parle de plus en plus évidemment de communautés. Les acteurs sont des plateformes numériques à l'échelle locale, régionale. On a parlé des GAMAM, une prégnance mondiale, mais il y a de plus en plus, là aussi, des alternatives. On parle des contenus statistiques pour l'IA, les contenus dynamiques, etc. Payants gratuits, on a des nouveaux modèles économiques qui se sont imposés. Nous faisons croire évidemment à la gratuité, mais l'économie des données... redistribue les cartes. Alors, dans ce nouvel univers, comment améliorer l'exposition à la langue française et au contenu francophone? Et derrière francophone, je vous invite à penser une géolocalisation, en fait. D'où est pensé, construit, diffusé ces contenus francophones? Langue française? Je mets un point d'interrogation. Quid de leur création, l'usage et de leur appropriation, quels sont les moyens, les outils, mais aussi réfléchir au public, au consommateur, qui n'est pas le récepteur passif et qui a là aussi son mot à dire. L'enjeu économique de partage de la valeur, en particulier, et je vais revenir là-dessus, quand on parle des enjeux culturels, la culture au sens anthropologique, donc juste partage des valeurs dans la chaîne de production de ces contenus. Et évidemment, on pourrait peut-être, le mot est revenu souvent, martelé, mais quid d'une éthique de la diversité? Alors, la réponse à ce changement d'un nouveau monde, si vous voulez, numérique, avec lequel nous devons tous composer à tous les coins de l'espace francophone, qui est transrégional et mondial, eh bien, une des réponses ou un des enjeux, c'est la découvrabilité. Et là, je parle sous contrôle du professeur Agbobi et de
de son collègue, voire comparse, M. Destiny Cioli, on parle même de découvrabilité systémique. Alors, un peu comme M. Derrigue, il n'y a pas un consensus sur une définition de la découvrabilité. C'est nouveau et c'est pas récent. Ça a émergé de l'autre côté de l'Atlantique, chez nos amis québécois, 2015-2016. Et si vous faites une rapide recherche, il y a plusieurs définitions. Alors, moi, je me suis permise d'en prendre deux, et vous allez comprendre pourquoi. Celle qui est en gros et qui est à votre lecture, c'est un processus de rencontre entre un contenu et un public dans l'environnement numérique. Bon, un processus de rencontre. Ça, c'est la définition qui a été choisie par l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce processus, eh bien, il doit faciliter, en fait, là, et on est beaucoup aussi la question de glissement entre la langue française et la langue anglaise, on pourrait dire de repérage. Et bien on est dans la repérabilité, voire la trouvabilité, je l'ai vu écrite, mais bon, on accepte, par tout utilisateur qui le recherche. Donc comment un contenu dit « Ouh, j'existe », etc. D'ailleurs, si on avait eu le temps, j'aurais voulu faire un petit sondage sauvage. Combien d'entre vous, maintenant, à octobre-novembre 2022, va au restaurant sans voir les étoiles sur Google ou les commentaires? Est-ce que vous allez au restaurant facilement? Oh, oui, je voulais à peu près savoir quelle était un peu la tendance dans la salle. Qui regarde quand même savoir ce que les clients disent, une étoile, deux étoiles sur la fourchette, etc. Avouez. Bon, ok. Comment un contenu en langue française ou géolocalisé francophonement peut être recommandé? Ça, c'est le troisième, vraiment, possibilité. La dimension fortuite, c'est-à-dire comment on vous permet aussi, eh bien, de rencontrer un contenu que, surprenez-moi, et ne m'emprisonnez pas. Il y a cet enjeu-là, également. Puis voilà ce petit dessin qui dit l'internaute qui cherche « Ah, une proposition géniale, et évidemment, je consomme, et donc j'achète, peut-être. » Si, avec mes étudiants, je fais un deuxième sondage sauvage, qui pirate et qui paye? Et là, 100% de ma levée, j'ai des pirates et des flibustiers. Donc, je ne vais pas vous faire cela. Mais enfin, voilà, une consommation vertueuse, responsable et qui respecte les droits d'auteur et les droits voisins, etc. Il y a une autre définition qui est en blanc, qui est celle de la mission franco-québécoise qui a été diligentée en 2020. Toujours, on est dans un cadre intergouvernemental parce qu'on a des champions de la découvrabilité en francophonie, c'est vrai. Donc, une autre définition qui est un peu alternative mais qui reprend les fondamentaux. Alors, les trois enjeux. Alors, j'allais dire ces trois paramètres qui ont été conceptualisés toujours par le professeur et chercheur Destiny Cioli avec le professeur Agbi lors des deux études qui ont été diligentées et puis des journées d'études. Eh bien, RPR, oui, mais enfin, je vais prendre un tout petit peu de temps, si ça va encore, vous m'alertez, sur ce qu'on met derrière ce non-parti politique, mais ces trois éléments structurants de la découvrabilité pour qu'on soit bien d'accord. Hein. Eh bien, la repérabilité, donc, c'est du contenu, des moteurs de recherche et la capacité à être trouvé. C'est un peu votre carte d'identité. Et votre carte d'identité bien renseignée. Tellement bien renseignée qu'on a de la facilité à vous trouver, de l'indexation. Je crois que dans la première, deuxième table ronde, on a parlé effectivement du coût d'avance des bibliothécaires, des archives, des systèmes d'information, la gestion d'information. La question de la recommandabilité, c'est vraiment des anglicismes, hein, bref. Mais voilà, comment on arrive à comment vous êtes décrit? Comment les algorithmes, et on va arriver justement à cet enjeu découvrabilité intelligence artificielle,
comment finalement, dans le menu algorithmique, eh bien, ces algorithmes vous recommandent. À partir de quelles données, quels critères? Et donc, votre repérabilité. Et le troisième, le R. Alors, RRP, pardon, c'est la prédictibilité. Les algorithmes ne sont pas forcément maîtres. De plus en plus, dans les études sur l'intelligence artificielle et sur la consommation, on voit bien que l'usager est imprévisible aussi. Et donc, ça, c'est une donnée de non-passivité qu'il faut aussi prendre en compte. Ce qui n'exclut pas aussi la responsabilité des algorithmes et de l'humain, des humains qui le créent, le façonnent, de mettre la possibilité de ne pas enfermer en termes de prédictibilité dans sa communauté de goût, d'appétence. Ça va ? Alors, deux minutes. Trois. Ouf. Alors, c'est trois composantes structurelles. Et puis derrière, ben, il y a, j'allais dire, comme vous savez, il y a toujours la salle des machines. Alors, la salle des machines ou le pétrole. Et là, on va arriver justement à... C'est pour ça que deux minutes et demie, je négocie. Je suis une doula. Pour ceux qui connaissent, on est très fort. La question des métadonnées. Voilà. Bon, je dis comment on est vu, repéré, ben, parce qu'on remplit et de manière normée. Et ça, et c'est là où il y a des enjeux de formation et de compétences, et de normalisation pour l'espace francophone. Et vous savez très bien, alors les politiques culturelles, mais les secteurs culturels, c'est un des enjeux, mais on est pareil dans les publications scientifiques, tout le monde a en tête l'ISBN pour les livres, mais ISSN et ISRC pour la musique et pour l'audiovisuel, c'est pareil. Et une question des métadonnées, c'est la question aussi quantitative. La masse critique. Si un des enjeux de la découvrabilité francophone, c'est d'avoir une masse critique de produits normés et donc repérables à travers ces métadonnées. Le référencement des qualités de ces contenus, ça passe par aussi un savoir-faire, le e-marketing, le e-numérique. Comment vous faites bien référencer, comment vous êtes en haut de l'algorithme de recherche de Monsieur Google. C'est payant, certes. Il y a quelque chose, une machine derrière. Je parle sous contrôle des yeux de Francesca et j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Et enfin, terminer par la question des algorithmes. Qui qualifie, qui organise, qui hiérarchise, qui recommande et comment? Et selon quels objectifs? De vente, uniquement commerciaux, faisons du blockbuster, faisons effectivement un accord un peu faustien entre le commanditaire, le prescripteur, et tout ça peut-être dans un manque de transparence. Je termine très rapidement. Donc les enjeux, puisque c'était l'objet de la communication sur les enjeux, et ben, vous l'avez tous compris, ils sont multidimensionnels et ils sont multi-acteurs. Parce que lorsqu'on parle de gouvernance du numérique, on parle de souveraineté pardon, culturelle, donc encore une fois au sens large, les normes, la langue, les biens et services culturels qu'on propose, y compris scientifiques, le savoir, la transmission, etc. Eh bien, il faut des règles. Et les règles, eh bien, c'est une gouvernance et les acteurs publics ont une responsabilité. Régulation, réglementation, culturelle, diversité et identité. On a tous parlé d'uniformisation. On pourrait se poser la question, et je terminerai par les enjeux prospectifs, si la traduction est une réponse. Une des réflexions, c'est que la traduction, ce n'est pas un mot par un mot, c'est pas un mot pour un mot, c'est bien plus grand que cela. C'est un sens pour un sens. Et avec une médiation, vraiment au sens large, je pense, culturelle. Donc la promotion et la qualité, on n'est pas là pour avoir du fast-food, on n'est pas là pour avoir le plus de diversité dans le sens de quantité, c'est-à-dire qu'on a le droit de citer des contenus pointus scientifiques et culturels. La question économique, qu'est-ce qu'on fait dans ce Far West actuel, le plus fort gagne, où on respecte aussi le droit, les producteurs de ces contenus. Voilà. Donc il y a quand même le partage équitable de la valeur.
je vous ai dit, pour consommer, c'est pour ça que j'étais un peu... Il y a une condition sine qua non, qui est celle de la connectivité. On l'a rappelé, le deep learning, l'intelligence artificielle, c'est des hommes, mais c'est sacrément aussi une infrastructure. Comment on est connecté? Comment, au sens large, la question de la connectivité, qui est bien plus large que ça, qui fait rendre aussi la question de consommateur qui a les capacités numériques, de savoir utiliser un ordinateur, une tablette et que sais-je encore, mais aussi avoir les moyens de l'utiliser et de le posséder, y compris en termes communautaires, c'est le cas en Afrique. Parce que l'Afrique, l'Asie font partie de l'espace francophone et à ce titre produisent des contenus francophones qui ont droit à la découvrabilité. Et enfin, terminé par l'enjeu écosystème acteur, je pense qu'il y a un enjeu de coopération internationale. Je terminerai sous, vraiment, je passe les statistiques, je vous renvoie aux deux études extrêmement complètes faites pour le compte de l'OIF avec l'UQAM, donc sur les questions preuves s'il en était des déséquilibres, mais je voudrais terminer juste par ces questions de jalons. Qu'est-ce qu'on a posé au niveau de la francophonie institutionnelle, passé, mais vraiment présent à venir. Un sommet de la francophonie où le numérique est la problématique principale. Il va y avoir une déclaration sur la langue française au titre de la diversité culturelle. La découvrabilité va être citée. Il y a un plan d'action de la stratégie de numérique de la francophonie où l'axe 4 est lié aux enjeux de découvrabilité. Donc, ça devrait être aussi pris en compte, à la fois politiquement, mais traduit en termes de coopération internationale. Et puis au niveau de la UF, je crois que certains ont eu le bonheur de participer à la deuxième édition de la francophonie scientifique, un réseau de l'intelligence artificielle francophone, mais aussi la mise en place d'une académie et d'un observatoire prospectif. Alors, je vais vraiment, vraiment terminer avec ça. C'est les SI et vraiment vous inviter à une réflexion prospective. On est dans un monde turbulent, incertain, ambigu et que sais-je encore. Rien n'est écrit. Rien n'est écrit. On l'a vu comment le Covid a rebâti les cartes et accéléré la transition numérique pour le meilleur et pour le pire. Alors, j'allais dire que pour la découvrabilité aussi, il y a des enjeux prospectifs. Je ne parle pas de planification, je ne parle pas de prévision. Il y a des variables, il y a un travail prospectif à faire. Alors, je vous ai fait un méli-mélo de ce qu'on peut faire en prospective. On peut faire des matrices avec, est-ce qu'on peut considérer que, à la fois, les questions de connectivité, c'est un impact majeur sur les enjeux de découvrabilité au niveau de l'espace francophone, et de l'autre côté, le traitement automatique des langues. Et pour preuve, Meta dévoile son dernier, ce que je fais de la veille, la traduction de la langue Ishok, la langue largement utilisée au sein de la diaspora chinoise, qui est uniquement, qui n'est pas écrite. Et il y a d'autres enjeux. Netflix a fait un partenariat avec l'UNESCO pour sponsoriser évidemment des séries sur les contes africains, du contenu francophone, mais coûte de la découvrabilité. Voilà, donc on peut faire une matrice. Je vous invite, les trois cercles, c'est de réfléchir 2022, 2025, 2035, 2050, et de penser au monde, et je parle au pluriel, qui s'en viennent. On sait, alors ça c'est dans les prédictibilités, que le web universel, unifié, tout à fait, le projet aussi, là, un peu utopiste, d'un web ouvert, etc., est en train de se fragmenter, et en train, pour le meilleur et pour le pire, je ne parle pas de communauté, on parle à horizon 10 ans d'un web chinois, d'un web, etc., etc. Quels seront là les enjeux de découvrabilité des contenus francophones? Et aussi, ce que la prospective invite, c'est les ruptures à envisager. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sandra Koulila-Villeroy. Nous allons écouter, si vous le voulez bien, Monsieur Julien Kilanga, qui est professeur émérite à l'Université d'Angers, recteur honoraire de l'Université de Lubumbashi,
directeur honoraire de la langue française et de la diversité linguistique à l'OIF. Donc, si vous voulez bien, un quart d'heure également. Si c'est le même quart d'heure, il va être un petit peu plus long. Véritable quart d'heure. Merci. C'est toujours pénible de parler après l'autre, et pourtant il y a toujours quelque chose à dire. Quand Alain m'a contacté pour venir intervenir à cette rencontre, j'ai spontanément accepté parce que je ne pouvais résister à l'honneur et au plaisir de vous rencontrer ici aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne puis mesurer le degré de mon émotion et de ma joie. Et ce rare privilège de bénéficier de votre attention ne peut se payer d'un simple remerciement. J'ai cru pouvoir m'acquitter envers vous en consacrant ces quelques mots au thème que vous m'avez proposé, la découvrabilité des contenus francophones. Ma collègue, puisqu'il faut bien que je le dise, Sandra, a pratiquement déblayé le terrain, mais je vais juste donner certaines précisions à certains niveaux. D'abord, l'intitulé même, la découvrabilité des contenus francophones, compte deux syntagmes importants, mais aussi deux concepts susceptibles de soulever des questions complexes, découvrabilité et contenu francophone. Et pourtant, l'articulation de notre réflexion devrait finalement s'y fonder. La découvrabilité renvoie à ce qui est susceptible d'être découvert, d'être mis en lumière grâce à des moyens appropriés, et c'est moi qui définis cela. Et dans ce cadre précis, ce qui est susceptible d'être mis en exergue, ce sont les contenus francophones. Et dans contenu francophone, il y a avant tout cet adjectif francophone. Qu'est-ce qu'être francophone? On a tendance à reprendre quelques définitions qui s'offrent à nous, qui parlent le français, qui a le français en partage, qui est relatif à la francophonie. Et l'élément commun, c'est la langue française, et particulièrement qui est considérée comme le lien fondateur de la francophonie. Mais la langue française, dans son expansion, n'est pas tombée sur une table rase linguistique. Elle est entrée en contact avec d'autres langues qui ont influencé sa structure, tant interne qu'externe. Et au-delà de la langue, il y a l'homme, le locuteur de la langue française, qui a ses attentes, ses besoins, sa culture, ses aspirations. Et la francophonie institutionnelle qu'on venait de vous présenter, avec autant de ses états, prend tout cela en compte. Et comme le témoignent ces deux textes fondamentaux qui servent de référence, particulièrement la charte de la francophonie. La francophonie, dit la charte, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération et du développement,
a pour objectif d'aider à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention des conflits et au soutien à l'état de droit de l'homme, à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations, au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies. Et la francophonie respecte la souveraineté de l'État, des États, leur langue et leur culture. Elle observe la stricte neutralité dans des questions de politique intérieure. La francophonie place aussi, parmi ses principes fondamentaux, le respect de la diversité culturelle et linguistique. Elle contribue ainsi au dialogue des cultures, facteur des relations pacifiques entre les communautés et les composantes de la société. Il se dégage de ces textes que je venais de lire certaines constantes. Le partage de la langue française, le dialogue des cultures et des civilisations, les liens au service de la paix, de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme, de la solidarité et du développement, la diversité culturelle et linguistique comme stratégie de la défense de la langue française. L'élément central, vous l'aurez remarqué, de toutes ces constantes, c'est la langue française, qui constitue le point de jonction entre francophones et qui favorise le dialogue entre différents peuples et leur culture. Dès lors, s'effectuent des échanges, des valeurs culturelles, sous la pression des contacts entre groupes et cultures différentes. Et au regard de ces constantes, on serait tenté de dire que la francophonie est basée sur la langue et la diversité culturelle et linguistique renforcée par le fond politique et diplomatique autour de la démocratie et des droits de l'homme. La nécessité d'une prise en charge plus importante et plus rationnelle exige de développer la mise en place des réseaux qui faciliteraient l'usage des technologies de l'information et de la communication et à l'édification rapide d'une société de l'information équitable tenant compte des besoins de solidarité numérique pour assurer la découvrabilité des contenus francophones. Et ceci a nécessité de mettre en place une initiative francophone en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. Et cette initiative constitue un support de sensibilisation qui cible particulièrement les États et gouvernements membres de la francophonie, les acteurs privés, les organisations de la société civile, les professionnels de la culture et les organisations internationales et intergouvernementales. Son rôle est de permettre à toutes ces parties prenantes de mieux appréhender le concept et les enjeux de la découvrabilité et de les inciter à réfléchir aux stratégies à développer pour assurer la mise en valeur des contenus culturels locaux et nationaux sur Internet. Ce plaidoyer, et comme l'a déjà dit ma collègue Sandra, ce plaidoyer pourrait poser les prémices pour la construction et la mise à l'essai d'un cadre de concertation et d'action d'un projet plus vaste consistant à promouvoir une voie francophone sur la découvrabilité, la diversité culturelle et linguistique. Et dans cette perspective, on l'a dit, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Université de Québec à Montréal avaient organisé, je crois, le 17 décembre 2020, un webinaire pour présenter des publications traitant de la question de la découvrabilité et de l'accès au contenu culturel francophone sur Internet. Les pays de l'espace francophone disposent d'une riche diversité de ressources, de talents créatifs, de contenus et d'expressions culturelles et artistiques qui semblent peu présents, visibles
et accessible sur Internet. Les plateformes de diffusion et de distribution numérique qui dictent aujourd'hui la forme, la nature et la circulation des flux de produits culturels numériques n'encouragent manifestement pas l'accès à une offre culturelle diversifiée. Et dès 2017, l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la francophonie s'est saisi de la question de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne pour inscrire des actions concrètes à son agenda. Et un partenariat a été noué avec l'Université de Québec à Montréal, notre collègue est partisan, et ça chez l'UNESCO en communication et technologie pour le développement, et l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique. Et un état de lieu de la découvrabilité et de l'accès au contenu culturel francophone sur Internet a été réalisé entre 2018 et 2020. Une étude qui propose un éclairage inédit sur les tendances et les pratiques actuelles en matière d'accessibilité et de découvrabilité des produits culturels, filières audiovisuelles, cinématographiques et musicales de l'espace francophone. Des regards croisés, un document qui complète opportunément l'étude en proposant des réflexions, témoignages, expérimentations, bonnes pratiques, ainsi que des analyses de cas de la part des acteurs de la société civile sur un enjeu aussi crucial que celui de la découvrabilité et de l'accessibilité des expressions culturelles nationales, locales, francophones dans l'environnement numérique. Mécanismes de gouvernance de l'Internet, souveraineté culturelle des pays de l'espace francophone à l'ère du numérique, accès et utilisation des outils numériques, développement de compétences et de littératie numérique font partie des enjeux à relever et justifient que la francophonie, qui a fait du numérique une composante essentielle du projet francophone, se mobilise pour accompagner ses États et gouvernements membres dans l'évolution de leur environnement numérique. Et dans le cadre des travaux qu'ils mènent sur la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne, l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la francophonie a mandaté le cabinet Post Advisor pour réaliser une étude sur les industries culturelles et créatives dans le monde et décrire les grandes tendances en cours, principalement celles liées à la numérisation de ces secteurs, et l'analyse est déclinée par région et concerne ou se concentre sur 5 secteurs culturels pour lesquels l'Organisation internationale de la francophonie apporte un soutien de longue date: le cinéma, l'audiovisuel, la musique, l'édition, les spectacles vivants et ainsi de suite, et le domaine du livre. Je me réfère particulièrement au domaine du livre parce que ce sont des actions que j'ai eu à mener, évidemment, quand j'étais sur le terrain à l'époque de l'organisation, enfin de l'agence intergouvernementale de la francophonie et par la suite au niveau du gouvernement, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et là apparaissent des enjeux liés à la découvrabilité et en fonction des différents secteurs que je venais d'énumérer. Par exemple, la musique. Il y a la question de visibilité et de la disponibilité sur les plateformes. Et le domaine du livre numérique. En 2019, le chiffre d'affaires du livre numérique, c'était dans les 15 milliards. Et l'enjeu qu'il y a, c'est justement la disponibilité des livres, la présence dans les catalogues en langue française, la visibilité sur les plateformes et les moteurs de recherche. C'est un enjeu réel.
il y a la question de la chaîne de distribution du livre alliant distribution numérique et support physique. Et là également, il se pose le problème de la disponibilité du livre, leur présence dans les catalogues de la langue française. La transformation numérique des arts, du spectacle, qui concerne les canaux de promotion en ligne des spectacles, sans transformer les œuvres elles-mêmes. Et on constate l'augmentation des captations en ligne, qui implique évidemment des enjeux d'indexation de contenu. On pourra bien le souligner, depuis le ou la COVID-19, une forte augmentation de captation numérique et de diffusion de spectacles sur les canaux numériques se remarque. Et là, l'enjeu, c'est quoi? C'est l'utilisation du numérique pour mettre en avant les événements physiques et le développement de nouveaux formats de spectacles ou de relations avec les spectateurs par les réseaux sociaux. Et la grande question, c'est de voir la présence de la francophonie et les francophones en ligne face, bien sûr, au fait qu'il y a parfois une émergence particulière de la présence des anglophones et, bien sûr, de cet aspect étouffant un peu, puis-je le dire, la francophonie. Voilà autant de choses que l'on a pu découvrir, et je passe effectivement certaines pages qui reflètent déjà ce qui a déjà été dit. Bon, je voudrais dire juste un mot sur peut-être l'état des lieux. Il y a aussi une étude qui a été réalisée par nos collègues du Québec. La pénétration des technologies numériques dans toutes les sphères de la vie en société, avec ses impacts indéniables sur la création, la diffusion, l'accès et la consommation de produits culturels de différentes nations, redessine progressivement une nouvelle carte culturelle du monde sur laquelle la francophonie doit se positionner comme défenseur et garante de la promotion et de la découvrabilité d'une riche diversité d'expressions culturelles, notamment dans l'environnement numérique. En effet, dès ses origines, l'Organisation internationale de la francophonie s'est attachée à promouvoir le dialogue et la cohabitation des langues et des cultures de ces territoires en œuvrant à travers un ensemble de programmes et d'actions concrètes qui contribuent à valoriser les identités et les expressions culturelles diversifiées, limitant ainsi le risque d'une uniformisation culturelle à l'échelle globale. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, il reste beaucoup à accomplir au sein de l'espace francophone, au sud comme au nord. Il s'agit de garantir que les avancées, les acquis et les aspirations des peuples et des nations en matière de diversité culturelle et linguistique ne soient pas simplement balayées par la déferlante d'une hyperculture globalisante véhiculée par de nouveaux aspects de la mondialisation culturelle que sont des plateformes transnationales de diffusion et de distribution numérique de contenus de produits culturels. Et c'est dans ce contexte-là que la direction de la langue française et diversité des cultures francophones de l'OIF a souhaité dès 2017 mettre en place des mécanismes afin d'identifier et d'étudier les enjeux et les problématiques permettant de documenter les mutations, les stratégies, les pratiques innovantes et les tendances à l'œuvre au sein de la francophonie en matière de diversité culturelle et linguistique. Le numérique s'impose donc aujourd'hui comme un catalyseur de créativité et d'innovation qui offre de nombreuses opportunités, notamment pour les artistes et les professionnels de la culture de l'espace francophone. Il met au défi les États et gouvernements francophones d'élaborer ou d'adapter leurs politiques culturelles à travers les stratégies
des mesures et des actions concrètes de soutien aux industries culturelles, de promotion et de protection de la diversité des expressions culturelles au sein de la francophonie. Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de vision claire, s'appuyant sur des données actualisées, les pouvoirs publics ne peuvent définir des stratégies et des politiques adéquates et efficaces garantes de diversité et de souveraineté culturelle. Cela en particulier devant l'ampleur des transformations numériques et des risques d'uniformisation culturelle que font peser des innovations technologiques sur les domaines de la culture et de la création au cours de ces dernières années. Je voudrais bien terminer, puisqu'il faut bien terminer, je préfère terminer par des questions, parce qu'il est question de perspective et les questions pourront vous aider, bien sûr, à nager là-dedans et à créer et à inventer. Quelles sont les questions? Par exemple, sur la diffusion, la visibilité, le processus de mise en œuvre de la découvrabilité. Quels sont les mécanismes, les processus, les outils ou les techniques qui permettent de rendre plus visible et donc plus facilement découvrable une œuvre audiovisuelle, cinématographique ou musicale francophone, les industries culturelles, ainsi de suite. Quelles sont les plateformes qui favorisent le mieux la diffusion et la découvrabilité des artistes et des œuvres culturelles francophones? Sur le plan de la réception et la circulation des produits et des contenus, par quels canaux ou moyens les utilisateurs accèdent, choisissent et consomment-ils des contenus culturels numériques francophones parmi la multitude de contenus disponibles en ligne? Les œuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales francophones promues ou primées dans les grands festivals de films ou de musique sont-elles par la suite disponibles, mises en avant et accessibles au grand public en ligne? Sur les défis, enjeux et opportunités des contenus culturels francophones sur Internet, quels sont les défis que pose la découvrabilité aux acteurs culturels francophones et comment ces acteurs intègrent-ils cet enjeu dans leur pratique? Quelles opportunités ou retombées peuvent-ils tirer de la découvrabilité de leurs œuvres? Quelles stratégies ou jeux d'alliance faut-il mettre en œuvre pour mettre aux productions culturelles, pour permettre aux productions culturelles francophones d'être plus visibles et accessibles en ligne, principalement sur les grandes plateformes numériques? Et ceci me pousse justement à conclure en disant que il faut aller plus loin. Le chemin se fait en marchant. Et la marche se fait sur le chemin. Et pour cela, il y a lieu peut-être d'envisager une enquête dans les différentes zones. C'est déjà fait effectivement pour découvrir les avancées de la découvrabilité en mettant en jeu les éléments du cadre stratégique de la francophonie qui dessine l'action de la francophonie, voir l'évolution entre l'avant, maintenant et l'après. Je vous remercie. Merci.